Oui, Nico, les bombes sont 13 à toi de 14 km 33-01 au QRA. Bonjour, Rémi 73, je propose tout, GSY 325, c'est parti pour moi. Ok, voilà, je suis rendu. Ok, moi de même, de nouveau les bonnes 73, et voilà. Nicolas, là, qui est pour mai, encore en train de faire du bricolage. Là, je suis au lac des Naguets, je pense que tu connais, tu vas me dire. J'ai énormément de mal à te sortir de mon côté, j'ai un gros QRM électrique là depuis quelques jours là au QRA. Enfin depuis 2-3 jours là c'est l'horreur. Et tu dois être assez loin de moi parce que j'ai pas compris là où tu es. Hein. Ok, je suis au lac des Daguets, les Daguets à côté de Spourne, le lac. Je te propose, si tu veux, qu'on aille sur une fréquence, c'est calme pour toi. Tu vas me dire la fréquence si tu veux bien. Oh ben, c'est pas dû à la fréquence, enfin, je sais pas si je te l'ai dit, les 73-51 à toi, ben si je te l'ai dit au début, bon, c'est pas grave, renouvelé à nouveau, c'est sur toute la bande de décamétrique que j'ai ça, hein, donc ça va être un petit peu compliqué, c'est vraiment sur toute la bande décamétrique, là j'ai fait un tour tout à l'heure, là comme ça en SWL beaucoup plus bas, j'ai ce QRM électrique là qui j'ai plus qu'à attendre que ça passe quoi. Ça peut mettre plusieurs jours, je sais pas, c'est enfin bon bref. C'est pas grave, je vais faire avec. Ah ok, bah écoute, je vais tâcher de parler un peu plus fort. Je suis désolé pour toi. Ouais, comme je disais, je suis en expérimentation radio là. J'ai installé un quart d'onde au sol avec avec 4 radians de 2,75 m, posé en croix tout autour de l'antenne, voilà. L'antenne, c'est une LEM Turbo 2001, et je me trouve donc à côté du plan d'eau des Daguets à Libourne. Ok, puis bon, c'est vrai que là, je t'ai clarifié, ça va de suite mieux. J'ai monté vite en. J'ai entendu que tu faisais une expérimentation, donc ok, j'ai attrapé mon téléphone. J'aurais pu attraper la caméra, mais bon, j'ai attrapé le téléphone. donc là, je suis en train de faire une petite vidéo, là, par la même occasion. Là, pour qu'en retour, tu puisses voir, là, ce que ça donne. Ok pour la vidéo, impeccable. C'est super. Ouais, ben voilà, donc. Tester là à côté du plan d'eau, d'une part, voir ce que ça donne, et d'autre part, je voulais tester le quart d'onde au sol, enfin, au sol, plus ou moins. En fait, j'ai posé sur un tabouret une plaque métallique de 30 par 30 cm en acier zingué, voilà, avec un trou au milieu pour y mettre une embase apercevant là, pour la. L'antenne LEM Turbo 2001, j'ai installé ça dessus, et aux quatre points de cette plaque métallique, j'ai installé donc 4 tiges d'acier de 2,75 m disposées en croix. Ma foi, j'ai une excellente réception, là, j'entendais des sonations d'un peu partout tout à l'heure. Et voilà, tu m'arrives avec une radio de 5, Rémi, une radio de 5 et un excellent signal, il n'y a pas de problème. Ouais, de mon côté, c'est pareil, hein, voilà, le radio de 5, ouais, 4-5, bon, ouais, plutôt 4 à cause du QRM électrique que j'ai de mon côté, pour le signal, bon, c'est un signal de 5 aussi, là, ça passe bien, tu entendais du monde tout à l'heure, t'as, mais j'ai personne de mon côté, en marque, c'est vrai que là, c'est pas très propre, là, en fréquence. Donc, ben, s'il y a du monde, si t'as entendu du monde, bon, tant mieux, parce que c'est vrai que là, ça passe pas, là, de mon côté. J'ai écouté un petit peu partout, tout ça, là. Bon, j'étais en même temps pris, là, sur le PC, là, sur le forum.
Et c'est là, là, à l'instant, là, en redescendant, là, sur le, en revenant sur le 555, que je t'ai entendu. Je me suis, hop, là, j'entends parler d'une expérimentation. Pouf, vite le téléphone à la main. pour pouvoir faire, là, quelques minutes, là, de vidéo avec toi. C'est sûr que là, tu peux prendre des photos et faire un petit tuto dessus, puisque là, oui, effectivement, ça marche bien. C'est du 54 de mon côté, bon, 4 à cause des QRM, comme je disais tout à l'heure, mais ça marche bien, oui, je te confirme. Hein. Et en plus de ça, je vois où tu es, ouais. Eh bien, il y a toute la colline de Saint-Émilion et tout ça, là, qui est entre nous deux, Saint-Émilion, Pomerol. Il y a toute cette tout ce côté là qui est entre nous là. Donc on est loin d'être en terrain dégagé là entre nous. Donc oui, ça passe bien. Hein. Ouais, moi aussi, à deux reprises, il m'a semblé sentir quelque chose là derrière. Si on l'entend, bah, ça sera dans la petite vidéo là que je suis en train de faire. Mais ouais, moi c'est pareil. Hein, il m'a semblé entendre gratouiller dans le lointain. Hein. Donc, moi c'est pareil. Là, je vais lâcher un peu pour voir. Oui, ok. Les 73-51, la station, c'est très QRP de mon côté, de la part de 14 Kilo Mike 3301, à côté de Saint-Émilion, Castillon-la-Bataille, en compagnie de 14 Kilo Mike 3308, si, ouais, ça doit être ça. Je me mélange encore les crayons, non mais n'importe quoi. Nicolas qui est sur Libourne. Ça passe plus de mon côté. Attends, sur
Putain, dommage que j'ai pas une troisième main. Parce que là, ça me rendrait bien service. Justement, il me semble, je sais plus si c'est. Je crois qu'il y a justement quelqu'un, un OM, Daniel, qui m'a répondu sur une de mes vidéos là sur YouTube. Qui est justement du côté de Marmande. Peut-être que c'est le même, hein. C'est possible. Ok, d'accord. D'accord, ok. Parce que c'est vrai que là, j'ai entendu ce dernier passage, mais c'est vraiment que très, très QRP. Et bon, je vais pas me répéter, mais avec le souci que j'ai là de mon côté au niveau de QRM électrique, j'arrive pas à décortiquer ce qu'il dit. C'est bien dommage. Tu m'étonnes. Bah évidemment, tiens, puisque c'est pour la CB, c'est pour la radio, donc évidemment que je suis d'accord. La question se pose même pas. Tant que c'est pour ça, alors là, c'est... vas-y, fonce. Ouais, non, mais bien au contraire, tiens. Il manquerait plus que ça que je sois pas d'accord. Alors ouais, moi de mon côté j'ai pas entendu, mais oui le break en avant. Je devine quelque chose dans le lointain, mais j'en suis même pas sûr. C'est... Là, je suis vraiment handicapé aujourd'hui là, côté réception. Hein. C'est vraiment pas ça. Hein. Ah, c'est un sans signal. Ah, zut. Et je crois qu'il ne m'entend pas non plus. Hein. Tu vois, c'est très curieux là, ce qui est en train de se passer. Régis, sur le baillet, est-ce que vous faites ma copie ou pas du tout? Négatif, il ne m'entend pas. Régis, tu retournes le micro. Ouais ben moi je j'arrive pas à sortir quoi que ce soit là, je suis vraiment vraiment handicapé là aujourd'hui hein, de ce côté là. Hein. Là c'est vraiment le caca là aujourd'hui pour moi. Hein. C'est bon ça sera meilleur une autre fois quoi. Si, il y a quelqu'un qui est là. Ok, Nicolas Ferrafran, donc l'opérateur sur le plateau, de son côté se reçoit bien, voilà, très bien, il n'y a pas de soucis. Bon ben voilà, c'est les aléas de la radio. moi je ne peux plus entendre, mais par contre j'entends. Bon voilà, je suis sur le bord du lac des Taïmei à côté du monde. Il n'y a pas de QRM, là, rien du tout. C'est nickel chrome. Mais bon, je suis trop petit ou alors l'angle de tir là, du carbone au sol est un peu trop à la verticale pour que je ne fasse entendre de ces stations. Voilà. À mon avis, ça doit être un peu ça. Bon, mais voilà, c'est ça l'expérimentation. Désolé pour toi, Rémi, là, je suis pas handicapé par tout ce QRM, là, et parti de ce qui m'en a dit. Ouais, c'est bien dommage, ça. C'est bien dommage. Je me demande si ça viendrait pas des châteaux qui se collent, là, avec leurs pompes, leurs grosses pompes électriques. Ah, je sais pas, il y a tellement de paramètres qui peuvent déclencher comme ça, ces QRM électriques.
Et en plus de ça, le temps est assez humide. Donc ça peut venir aussi là des isolateurs là qu'il y a sur les lignes électriques. Il y a tout ça qui peuvent rentrer en compte. Mais là, comme tu le verras, là c'est vraiment du QRM électrique. Hein. Ça crachote, ça fait que ça crachoter. Donc c'est les pompes, je sais pas. Je pense que ça sent un truc plus régulier. Que là, c'est du crachotage. Je sais pas si ça se dit, mais bon, si c'est pas le cas, je viens d'inventer un nouveau mot, hachi. C'est vraiment ça. C'est vraiment dégueulasse là, de mon côté. Quoi. Ouais, et puis en plus, il y a des départs en vacances. Donc, ça fait autant de monde en moins, là, en fréquence. Il y a ça aussi hein, qu'il faut prendre en compte. Puis la propague a l'air d'être un peu en vacances aussi, là, en ce moment-là. Enfin, du côté de mon QTH. Parce que bon, j'ai pu voir certains messages où des stations arrivent à faire du DX et tout. Et alors que là, moi, c'est pas ça en ce moment. Ah, puis il y a le pro et tout ça qui font que je suis pas en fréquence aux bonnes heures aussi. Hein. Aux bonnes heures, au moment où la propague est là, je veux dire, il y a ça aussi, quoi. Ok, mais là, ouais, tout à l'heure, tu me disais que tu entendais des stations du côté de Blaye par là-bas. Mais par rapport à la pièce d'eau, là, tu es situé de par rapport au lac, tu es situé de quel côté? Côté sud, non, si je me trompe pas. Et si tu essayais du côté est, là, pour le coup, tu aurais tout le plan d'eau bien positionné là, à ce niveau-là, quoi.
Ouais, parce que moi, c'est vrai que cette pièce d'eau est intéressante. Donc, en testant un petit peu là des différents coins, je sais pas s'il y a une route qui fait le tour. Hein. Et si c'est le cas, tiens, faudrait que j'aille un jour comme ça là faire le tour, voir un petit peu comment ça se présente. C'est vrai. Il y a ça qui est pas loin. Ça, ouais. Je le faisais, ça m'arrivait de le faire justement sur Bordeaux, sur le du côté du lac de Bordeaux Nord, là par là. C'est vrai que ça m'est arrivé de le faire. Après, en remontant la Garonne vers le. Non, pas vers la Bouchure, vers la jonction des deux fleuves, la Garonne, la Dordogne. Ça m'est arrivé d'aller là aussi car là cet endroit là c'est bien large et là aussi j'arrivais à faire de bons trucs mais le lac des Daguets là c'est vrai que j'avais pas pensé encore à celui-là quoi. Ok, d'accord. Ouais, bah, de toute façon, je vous adorais sur Google Maps. Là, j'aurais une meilleure vue là, de ça parce que, bon, c'est vrai que côté réception, là, par moment, c'est pas top, là, de mon côté. Mais bon, c'est pas grave, je fais avec. Je suis en train de regarder, ouais, il est déjà 3h. Va falloir que je passe en QRT. Là, j'ai pas mal de trucs à faire. En plus de ça, là, ce week-end, je dois monter chez le beau-père. J'ai dit, donc faut que je rassemble les outils que j'ai besoin, ceci, cela, pour demain. Alors, je vais t'envoyer des bonnes sur 1351. Merci pour ce petit QSO, ce petit contact. Et bonne poursuite d'expérimentation, car c'est vrai que toi, tu es le roi à ce niveau-là. Tu ne peux pas faire quoi que ce soit en radio sans en passer par des expérimentations. Et tu as bien raison parce que c'est comment dire, c'est un petit peu comme un petit pied de nez à tous ceux d'une autre génération qui pensent que ben la CB, tout ça, la radio, la technique et ainsi de suite, ça n'intéresse pas les jeunes. Ce qui est faux, ce qui est complètement faux parce que justement tu es quand même t'es quand même jeune. Et c'est vrai que ça fait vraiment plaisir. Sans être radio amateur, on va prendre ces radio amateurs et avec
non, mais ok, mais je ne retiens pas plus longtemps. Et puis, merci beaucoup d'avoir répondu à mon appel. Je me sens très très bien. Une excellente fin de journée à toi. Et à très bientôt sur les ondes. Voilà, c'est du travail. Moi, je vais retourner lancer des appels un peu partout. Ok, merci. Ben, de toute façon, la radio, hein, c'est fait pour répondre aux appels. Hein. Sinon, autant pas faire de radio. Hein. Voilà, hein, si la radio, c'est pas fait pour ça, la radiotransmission, pour dire les choses telles qu'elles sont, c'est pas fait pour ça, je vois pas à quoi ça peut servir. Ok, bonne poursuite d'expérimentation, bon QSO à venir, et à la prochaine sur les ondes. Alors, en BLU, autrement dit dans les modes, je vais y arriver, dans les modes USB, ah bah t'es, voilà, un peu c'est ce que j'allais dire. En BLU, dans les modes, c'est-à-dire les modes USB et LSB, alors on trouve sur les canaux supérieurs aux 40 canaux homologués des fréquences d'appel. Alors j'ai dit fréquence parce que dans ces modes là on parle plus en canaux mais en fréquence. Voilà, donc là on trouve cette première fréquence là qui est ici, qui correspond aux 4 supérieurs. Voilà, fréquence 27455. Et il y a une autre fréquence d'appel qui est ici, qui correspond au canal 12 supérieur, c'est-à-dire fréquence 27555. C'est voilà, c'est sur ces deux fréquences là que voilà, c'est sur ces deux fréquences que se font principalement les appels. Mais après, on lance l'appel où on veut. Hein. Il n'y a pas de règles imposées là-dessus. C'est si j'ai envie de lancer, tiens, au hasard, si j'ai envie de lancer appel ici, eh bien je lancerai appel ici. Et puis ce sera au petit bonheur la chance, comme sur les fréquences d'appel, si j'accroche une station. C'est de toute façon dans ces types de modes, là on est dans la CB loisir et on va à la pêche au contact. Donc voilà, c'est ça le but, c'est aller à la pêche au contact. Voilà, tout simplement. Donc les 73-51 ou les 73 comme on veut, de 14 kilomètres 33-01. QRZ local sur le sud-ouest de France, Dandy 33, opérateur Rémi.